your mark on me. I want your heart, love, and emotion endlessly. Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. Cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. L'établissement est situé à Saint-Hubert-Guichard. Ça se tient en 40 hectares. Il y a une piste ronde avec deux lignes droites, une en herbe et une en sable de 750 mètres. Je crois qu'on a une trentaine de paddocks avec des cabanes, voilà, des boxes, des stabules et un manège couvert. Mon personnel se situe avec 5 salariés à temps complet. Donc, on va dire en tête de file, c'est Adrien, l'ami. Après, il y a Gwen Junod, il y a Mathieu Daougabel, Charles Éloin et Charles Émotier qui est actuellement accidenté après la chute de Cabourg. Et j'ai un homme d'entretien qui travaille à mi-temps et ma femme qui est salariée qui s'occupe du secrétariat. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours professionnel? Tu n'es pas issu du Sérail. Non, je suis fils d'agriculteur et mère d'une qui travaille à l'usine. Et après, j'ai eu la chance de partir en apprentissage chez Thierry Lardier, qui m'a bien appris les bases, et je suis parti salarié, j'ai fait plusieurs boîtes. J'ai travaillé au Haras de la Mérité, et celui qui m'a donné ma meilleure chance, c'est M. Chériot, qui est un très bon formateur, et il est arrivé au bord de la retraite, je suis resté 3 ans, et il m'a dit qu'il fallait que je tente de me lancer, au lieu de repartir salarié. Et il a eu raison, ça a marché tout de suite. Donc j'ai loué ces locaux pendant 1 an et demi et j'ai acheté après à Saint-Aubin-Guichard un établissement qui était déjà fonctionnel où ça appartenait à M. Létuvet et Michel Girois. Et puis après j'ai eu beaucoup beaucoup de chance de tomber sur des chevaux qui m'ont fait gagner des courses, qui m'ont amené de la clientèle et après le travail a payé. Quels ont été tes plus grands moments jusqu'ici? Mes plus grands moments, j'ai gagné... Semi-classique, elle a gagné 3 semi-classiques, c'est Cata de Luca. Et puis surtout Moridiem, courir le haut niveau, ça fait plaisir. Gagner, c'est encore mieux. Voilà, je pense que ces deux chevaux-là me laissent un bon souvenir. Ne me dis pas que tu es supporter du PSG, Bruno. Je suis le PSG parce que j'ai un client qui est Limoges et puis ça m'arrive d'y aller un coup de temps en temps. Mais t'aimes pas cette équipe? Si, j'aime bien, je suis toutes les équipes plus ou moins, j'en ai pas une favorite. Hein. Maintenant, c'est vrai que le PSG, avec l'argent qu'on a investi et les bons joueurs, ça donne envie quand même de les supporter. Ça donne pas envie de les avoir comme clients aussi. Ça serait pas mal peut-être. Hans Zlatan avec l'argent qu'il gagne, il pourrait peut-être investir dans les trotteurs. Est-ce qu'on peut revenir sur ta méthode d'entraînement le matin? Est-ce que... Tu utilises toujours la même méthode ou tu aimes varier suivant les générations? C'est-à-dire que j'ai une méthode de travail quand même assez particulière par rapport à certains de mes collègues. J'ai des chevaux qui sont quand même assez provinciaux, donc on court très régulièrement. Donc entre les courses, on ne fait pas grand-chose, on fait beaucoup d'américaines, donc on travaille beaucoup sur la piste ronde. Après, pour déclencher, on va sur la ligne droite, hein, on essaye de changer. Mais on travaille beaucoup au moral, puisque mes chevaux courent, je vous dis, plutôt tous les 8-10 jours que de courir une fois par mois. Donc on n'a pas besoin de travailler intensivement dans la semaine. Et voilà, j'ai jamais rien changé depuis que je suis installé. Hein. Ça a toujours bien marché. La chance qu'on avait avant, c'est que les gens déféraient pas, donc je gagnais plus de courses. Maintenant, on est tous sur le même pied d'égalité. Et voilà, c'est ce qui fait la différence. See my friends who lived a couple blocks away from me. As I walked through the subway, it must have been about 3:15. In front of me stood a beautiful honey with a beautiful body. She asked me for the time. I said I could stir her name, 6 digit number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No. Didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Damn sure, what was the deal? A pretty girl at 24, so was she keen? She couldn't wait, said I'm a queen, so let me update. What did she say? She said she loved to rendezvous. She asked me what we were gonna do, so we stopped about the morning for Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were made.
vous faites plaisir là le matin, Bruno. Ouais, ouais, on se fait plaisir. Ça. C'est notre boulot tous les jours, hein. Donc si on ne se ferait pas plaisir, on ne ferait plus. C'est quoi la méthode Bruno-Marie? C'est une course le matin également pour l'entraînement? On les prépare, on les met en... C'est pas forcément une course sur la piste, on fait toujours deux parcours avec... On fait 500-600 mètres en accélérant à chaque parcours. Donc c'est un peu ma méthode de travailler comme ça. Et depuis le début, ça marche bien, donc on va pas changer ce qui marche. Ah, corde à droite, corde à gauche, ça aussi c'est une volonté de ta part? Ouais, ouais, c'est une volonté. Vraiment, s'il y a un cheval qui tourne pas d'un côté, on va dans le même sens. Mais généralement, on travaille toujours dans les deux sens. Ouais, bah on travaille un peu comme des situations de course. Hein. Les 5 gars avec moi, on est 6. Donc ça fait comme une petite course. Et puis après, on envoie. Et même pour le mental des chevaux, hein, c'est bien. Hein. Et puis, j'ai toujours fait comme ça. Et voilà, je ne change pas. Et puis les chevaux sont habitués. Hein, au moins, ils ne sont pas perdus quand ils vont en course. Tu es un passionné de vélo et un grand pratiquant, enfin, ou tout du moins tu l'as été. Est-ce que cela t'a aidé à comprendre la gestion de l'effort et quoi d'autre? Bah oui, la gestion de l'effort, ça m'a ouvert un peu les yeux sur certaines choses. Avant, j'étais peut-être un peu brutal avec la cravache. Je pense que dans le vélo, quand je suis mort, je pense qu'on peut prendre une cravache. Quand je suis au bout et que j'ai le cœur dans la boîte, je peux plus, j'ai tout donné. Et je pense que le cheval, c'est pareil. Si on fait un effort, qu'on lui met le cœur vraiment très haut, il redescend plus, récupère plus, puis bah, quand il est mort, il a tout donné. La cravache, ça ne sert plus à grand-chose pour finir, juste à l'accompagner. Et avant, j'avais tendance à appuyer vraiment fort, et ça m'a ouvert les yeux un peu, parce que ça s'aperçoit que quand l'autre il s'en va et que nous, on a envie d'y aller, mais si on est mort, on pourrait nous tuer, on ne peut pas faire mieux. Sur le vélo, il faut vraiment gérer son effort. Moins que sur une course de chevaux, parce qu'une course de chevaux, c'est très rapide. Hein. C'est entre 2000 mètres et 3000 mètres. Donc, si on met le cœur dans le rouge dès le départ, il ne redescendra plus jamais. Alors, une course de vélo, ça peut durer 2 heures. On a le temps de récupérer dans les roues. Que là, avec les chevaux, on n'a pas le temps de récupérer. Donc, on sait qu'un cheval peut faire un effort sur un départ jusqu'à 350 mètres maximum. Au-dessus de ça, on l'a mis dans le rouge. Donc ça, c'est important. Avant, je rentrais dans les raquettes et je partais comme un fou. Et on s'aperçoit que si on regarde Jean-Michel Bazire, il part, il se place et il fait l'effort gentiment après quand tout le monde s'est posé. Et après, si Jean-Michel il fait ça, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on ne met pas les chevaux dans le rouge. Et la preuve, il faut toujours regarder ceux qui gagnent. Alors, avec ton ami Philippe Dejard, vous venez aux courses et en camion et vous revenez en vélo. Enfin, en tout cas, vous le faisiez. Ouais. C'est quand même une scène assez, assez comique. Ouais, avant, quand je faisais des compétitions de vélo, avec Philippe, on s'arrangeait que ce soit un gars qui reparte avec le camion et on rentre en vélo, il faut bien s'entraîner. On a du travail dans la semaine à l'écurie et il y a des courses, donc il faut trouver le temps de s'entraîner. Hein. Si on veut être prêt dans les courses, il faut au moins faire entre 2 et 3 sorties la semaine. Et c'était l'occasion de rentrer quand Cabourg, on rentrait en vélo. On revient sur toi et ton parcours. Au milieu des années 2000, c'est l'apogée de Bruno-Marie. Tu gagnes un nombre de courses incalculable grâce au déferrage et à ton talent. Tu engranges des succès. À quel moment tu as fait la relation entre le déferrage et la performance de tes chevaux? Je me suis aperçu depuis longtemps déjà que le déferrage, ça les améliorait. Quand déjà j'étais chez mon patron, Marcel Charouot m'avait dit qu'il déferrait déjà souvent les chevaux. Et après, j'avais un copain qui était Franck Blandin, qui déferrait beaucoup et qui avait vraiment la vogue aussi à ce moment-là. Et lui disait que ça les améliorait bien. J'ai dit, ben moi, il faut que je fasse pareil. Et j'avais pris un peu Franck comme modèle parce que il courait, il récupérait des chevaux, il déferrait. Moi, on m'amenait des chevaux, je récupérais d'autres entraîneurs, je déferrais et ça les a améliorés. Donc, j'avais pas de recette miracle ni de seringue, comme on a pu dire souvent. J'avais rien de miracle, que je déférais simplement mes chevaux et tout le monde avait un dialogue sourd qui disait que ça les améliorait pas. Aujourd'hui, tout le monde est arrivé à déférer ses chevaux. Donc, la recette miracle, c'était le déferrage. Ouais, ça t'a valu beaucoup de critiques et ça t'a certainement beaucoup touché. Moi, personnellement, non. Parce que je passe au-dessus de ça, les critiques, vous savez, les gens, on a un métier de jaloux. On ne peut pas imaginer les nombres de jaloux qu'il y a dans ce métier-là. Quand les gens vous disent bravo, que ça ne vient pas du cœur, ça me fait rire, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin d'eux pour vivre. Mais ça a touché beaucoup ma famille, qui allait sur des blogs où j'en prenais plein la tête, que je piquais mes chevaux, que je coupais les tendons. Ça fait mal, les enfants, ils voient ça.
Surtout que c'est pas la vérité, quoi. Donc, les gens vous mettent des critiques. J'ai entendu plein de choses sur moi. Ils sont jamais venus voir mon hara. Ils sont jamais venus voir comment je travaillais. Sauf quelques grands professionnels qui sont venus chez moi. Mais seulement les grands, ça prouve bien que de ce monde-là, il faut travailler qu'avec les grands. En parlant de critique, tu as la réputation d'être dur avec tes chevaux. Est-ce que c'est une critique que tu confirmes ou pas du tout? Ouais, je ne sais pas pourquoi les gens disent ça. Ils disent que je suis dur. Je ne pense pas être plus dur qu'un autre. Hein. Aujourd'hui, je pense que chaque entraîneur entraîne ses chevaux durement pour être compétitif en course. Maintenant, voilà, ce matin, vous étiez là. C'est aussi aux gens de venir voir. Hein. On est ouvert à tout le monde. Hein. Je vous dis, il y a des grands professionnels qui sont venus voir travailler, qui sont venus voir comment je travaillais à l'époque que je gagnais beaucoup de courses. Et voilà, c'est pareil que chez les autres. Hein. Bon, on passe sur la critique. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ton métier et pourquoi? Ce qui est le plus dur, c'est de rester au haut niveau, d'avoir des bons chevaux. Je pense que pour avoir des bons chevaux, il faut faire du poulain. Il faut avoir on arrive comme dans le galop, hein. Il faut avoir du papier. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les meilleurs poulains, c'est les meilleurs papiers. Donc aujourd'hui, le plus dur, c'est de rester au haut niveau.